Dans l'émission Quotidien, ce vendredi 16 juin, Julie Gayet a été amenée à revenir sur sa ressemblance inattendue avec Madonna. Une photo d'elle sur laquelle elle est censée ressembler à la star américaine a été affichée à l'écran. Ce vendredi 16 juin, alors qu'elle se trouvait sur le plateau de Quotidien pour parler du festival Sœurs Jumelles qu'elle présidera prochainement à Rochefort, Julie Gayet est revenue sur son parcours professionnel. Et notamment sur sa rencontre avec Agnès Varda, pionnière de la nouvelle vague, le renouveau du cinéma au milieu du XXe siècle. C'est notamment grâce à cette grande dame, décédée le 29 mars 2019 à Paris, qu'elle a pu lancer sa carrière d'actrice, en jouant dans son film Les 100 et une nuit de Simon Cinéma. Un long métrage dans lequel elle a donné la réplique à des monstres du cinéma comme Jean-Paul Belmondo et Alain Delon. D'ailleurs, sur une photo tirée du film où elle pose avec ce dernier, et diffusée en direct à l'écran dans Quotidien, ça ressemble avec Madonna interpelle. Julie Gayet explique, elle, Agnès Varda, m'a engagée parce qu'elle trouvait que je ressemblais à Madonna. Elle était très copine avec Madonna, parce qu'Agnès, elle était très ouverte. Grâce à elle je suis montée dans le cinéma. C'était mon premier grand rôle. C'était quelqu'un de très important pour moi, Agnès. Elle m'emmenait à Cannes, Los Angeles, j'ai rencontré des gens incroyables. D'ailleurs un jour ça sonne, j'ouvre la porte et je tombe sur Harrison Ford. L'actrice peut donc remercier Maradona de lui avoir en quelque sorte permis de se révéler aux yeux du grand public, sur le grand écran. À noter que quelques minutes plus tôt, elle est revenue sur son autre passion, la musique. Révélant alors avoir écrit une chanson pour François Hollande, « L'homme que j'aime », précise-t-elle. Parce que j'ai été à un moment dans ma vie. Ah, si est-il très troublant de parler de ça. Pendant l'affaire Closer, j'ai dû un peu m'enfermer pendant quelques temps, 2-3 mois. J'étais dans un studio d'enregistrement pour me cacher. On m'a proposé, j'ai dit oui je veux bien et j'ai chanté une chanson. Si est-il Benjamin Biolay qui m'a fait chanter, a-t-elle raconté à Yann Barthès. Une belle confidence.